France. Donc, ça fait deux petites années, de grosses années, je ne sais plus, avec le Covid, que le groupe est formé. On a Gauthier à la basse, Mélo, chant et clavier, Pascal, batterie, Romain, guitare, et je chante et fais un peu de guitare aussi accessoirement. Et accessoirement. Et en fait, ce groupe a vu le jour de façon un petit peu... c'est le destin qui fait bien les choses. En fait, on était dans le même groupe avec Romain pendant plus de 10 ans. Un groupe qui s'appelait Wild Down. On a vachement tourné, on a fait beaucoup de concerts, on a enregistré plein d'albums. 4, 5, je sais plus. 4. 4. Et ça s'est fini parce qu'on avait fait le tour un petit peu. Et on en avait un petit peu marre aussi de ce rythme-là. Et on s'était dit avec Romain que quand même on aime bien la musique, donc on va faire quand même un peu de musique, on va faire des petites covers, mais pas dans l'optique de refaire un groupe tout de suite parce que c'est trop fatigant, trop consommateur de temps, trop plein de choses. Et un jour on a voulu reprendre le morceau Untouchable du groupe anglais Anathema. Et on s'était dit que ça serait bien d'avoir une voix féminine sur ce morceau. Et on a pensé à Mélo. En fait, on invitait des guests à chaque fois. C'était ça le concept un peu de la... On faisait des vidéos et on invitait un guest. Et on a pensé à Mélo. Parce que Mélo, en fait, on se connaît depuis... 10 ans. Ouais, trop longtemps. Aussi. Bah, plus longtemps. C'était notre... Mais on avait jamais vraiment trop collaboré ensemble, en fait. Il a fallu attendre 10 piges pour qu'on se retrouve à 3 dans le même studio, quoi. Et on a enregistré ce truc-là. Et c'est vrai que, au-delà du fait que c'est un morceau qui, moi, personnellement, me touche beaucoup... Bah, ça rendait vachement bien. Et on a mixé tout ça, on l'a masterisé, on a tourné une belle vidéo qui est dispo sur YouTube. Vous tapez Mojo Driver, Anathema, Untouchable, vous trouverez. Et puis j'ai attendu un petit peu parce que moi j'ai trouvé qu'il s'était passé un truc, mais je voulais pas m'enflammer trop vite non plus. Et je crois que j'étais de voir assez rapidement Mélo, peut-être une petite semaine après, en disant que c'était quand même vachement cool et que pourquoi pas faire un groupe, quoi. Et puis moi je sortais d'une expérience de groupe aussi de 7-8 ans, on était rivaux un peu quand même, c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Ouais, pardon, c'était vite. Et, et j'avais pas forcément tout de suite l'envie de me remettre dans une aventure comme celle-là, donc j'étais un peu frileuse au départ, Romain aussi d'ailleurs. Oui, bah moi j'ai eu le couteau sous la gorge, donc... Non, c'est pas vrai. On m'a payé des biens. Et puis finalement, on a réfléchi, on a un petit peu bossé le sujet, on s'est demandé à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait, vers où on va, et puis finalement... Le coup des deux voix, ça avait bien marché, quoi. C'était ça un peu le truc au début, on s'était dit que c'était cool de chanter à deux. Le noyau dur, c'était cette histoire de duo vocal masculin-féminin, avec deux voix complètement différentes. C'est ça. La volonté, en fait, de... Moi, pour ma part, chanter avec Mélo. Je pense un petit peu aussi de vouloir chanter avec moi. Et remonter un groupe sans Romain, sachant que ça faisait plus de 10 ans, même plus que ça en fait. Ça fait quoi ? Ça fait 15 ans qu'on fait de la musique ensemble. Ouais. Facile. C'est pas possible en fait. Donc Mélo était d'accord. Après, tous les deux, on s'est dit, il faut qu'on en parle à Romain quand même. On va voir ce que ça donne. Romain, il m'a fait, ouais, allez. À peu près, quelque chose près. On va voir, ouais, allez. Et en fait, je me rappelle ça, que Romain, quand on s'est vu pour en parler... Quoi ? C'était pas un peu ça. Ouais, si, c'était ça. Il y a un peu de ça. Mais quand on s'est vu, Romain, je crois qu'il y avait une histoire de... On avait dit qu'on fait plus de groupe et on est vraiment en train de remonter un groupe, là. C'est bon. Puis ça s'est un peu goupillé comme ça, avec nos premières démos, assez rapidement, quoi. Et puis du coup, après, bah, forcément, il nous fallait du monde pour rejoindre l'aventure. Donc on avait besoin d'un bassiste et d'un batteur. Et dans un premier temps, Romain nous a présenté Gauthier. Ouais. Pour la basse, du coup. On a joué dans les mariages avec Greg et Gauthier d'ailleurs. C'était notre première expérience. On faisait plus gros, mais on a fait un peu de baloche. C'est ça, on a fait un peu de balle quand même parce que c'était marrant. Donc Gauthier a rejoint l'aventure parce que ça le bottait. Enfin, je crois. Ouais, je crois qu'il est toujours là, donc c'est bon. Hein. Et puis après, on s'est dit qu'on voulait quelqu'un qu'on connaissait pas du tout. C'est surtout toi qui voulais quelqu'un qu'on connaissait pas. On voulait du sang neuf, je voulais du sang neuf, je voulais de la fraîcheur, de la chair fraîche. Et donc on a passé une petite annonce, et puis Pascal s'est présenté à nous. Oui, d'ailleurs on s'est vu pour la première fois dans un bar, pour essayer de mieux se connaître, mieux se comprendre et de voir le projet. C'est, et après, bien choisi, puisque tu ne bois pas. Voilà. Exactement, alors, moi je suis pas drôle, vous savez.
Mais ouais, du coup, les petites annonces, quoi, des auditions comme à l'ancienne, quoi, ça nous a fait un petit peu tout drôle tout autant qu'on était. Et on a reçu quelques batteurs, et puis bah, Pascal, nickel. Quoi. Ça a matché humainement d'abord, musicalement aussi, et puis soit ça t'a plu aussi de ton côté. Donc, Bah, je suis encore là après 2 ans, donc oui. Donc on est encore là, voilà. Bon, bah, vas-y, feu toi. Hein. Alors moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. En fait, ma sœur a commencé le violon, et... Par fierté de frère, je me suis dit si elle a fait de la musique et qu'elle y arrive, pourquoi je pourrais pas faire mieux qu'elle. Donc j'ai dit à mes parents, je vais faire de la musique. Le grand Romain. Voilà, donc je me suis dit, je vais m'y mettre. Et j'ai fait de la clarinette en fait pendant longtemps. Et petit à petit en grandissant, je me suis mis à écouter du rock et c'était compliqué de jouer la musique que j'écoutais principalement avec la clarinette. Donc je me suis mis à la guitare. Pas par défaut, mais parce qu'un jour on m'a offert, enfin un oncle m'a offert la cassette du live à Donington de CDC. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok maman, achète-moi une guitare, je vais faire pareil que le mec en costume décollé, ça va être super. Et 20 ans plus tard, je fais toujours de la guitare et c'est même devenu mon métier. Donc finalement, c'est pas si mal pour moi. Bien joué. Ouais, bien joué. Moi j'ai commencé la musique vers mes 10 ans. Alors moi je suis allé vers la guitare parce que je voulais faire de la batterie, mais dans ce que je voulais faire, là où j'étais dans mon école de musique, il n'y avait pas de batterie. Du coup j'ai commencé par la guitare, voilà, puis après au final, c'est batteur, sans pulsation, je fais une pulsation. Et au final après, quand j'ai pu déménager et changer d'école, il y avait de la batterie, donc j'ai commencé la batterie à 16 ans, j'en ai fait pendant 6 ans, et après j'ai continué un peu de façon plutôt autonome, et ça me va plutôt bien. Moi j'ai commencé à l'éveil musical. Bah c'est cool l'éveil musical, ouais. Donc à 4 ans, un truc comme ça. Et puis xylophone. Tu sais du pipeau là. Ah oui. C'était ça ta rêve d'hier. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant un an à l'éveil musical. Et puis non, après en fait j'ai un peu mis de côté la musique pour la danse, et puis je suis revenue très vite à la musique avec le violon alto que j'ai pratiqué pendant 5 ans. Mais attends, on cherchait un violoniste et tu ne pouvais pas nous jouer la partie de violon. Et après l'éveil musical, donc ça commence à dater. Donc ouais, j'ai fait de l'alto, et l'alto ça m'a vite un peu, enfin je me suis sentie très vite limitée dans les possibilités de faire. Dédicace à tous les violonistes. On vous aime quand même, les gars. Non, mais j'étais petite et voilà, c'est, je m'ennuyais en fait. Et du coup, je me suis dirigée ensuite vers le clavier. Donc vraiment pour pouvoir faire plein de choses en fait, pour pouvoir faire avec de la boîte à rythme, plein de sons différents. Et puis pareil, ça m'a lassée, donc je suis allée vers le piano. Et puis ça m'a lassé. J'ai fait du pipeau. mais tu crois pas, c'est bien dire, parce que du coup non, en parallèle de ça par contre il y a le chant toujours, j'ai fait de la chorale depuis toute petite, mais c'est pareil, je voulais toujours chanter plus fort que les autres, donc ça m'a lassé. Donc je chantais dans mon coin. Ça va, tu te lasses pas de nous quand même. Non, pour l'instant ça va. Je chantais dans mon coin jusqu'au jour où j'ai fait un stage sur Paris en immersion en studio avec plein d'autres jeunes comme moi qui étaient passionnés de musique. Et puis j'ai un peu découvert le rock et j'avais envie de monter sur scène. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller dans un groupe. On m'a contactée et c'est comme ça que j'ai eu la première aventure avec Nothing. Et effectivement, ça m'a lassée, je suis devenue guitariste rythmique chez Nothing. Donc j'ai mis de côté le piano pendant très longtemps. Et puis quand les gars m'ont dit par contre il nous faudra un clavier, et ben j'ai ressorti tout ça. Et du coup, c'est ma première expérience de groupe avec mon instrument de prédilection. Après, il faut regarder la taille du clavier. Ouais, ça vous verrez en concert. Je vais me manier, sinon l'interview va durer 5 heures. Moi j'ai fait de la musique parce que il y avait un pote qui m'a prêté sa guitare. Non, j'allais le voir jouer d'abord en sortant du lycée, Tom, et il jouait de la guitare, je trouve ça trop cool. Il m'a vendu sa guitare, j'ai fait de la guitare, basta. J'ai pas pris de cours, rien, je sais même pas lire une partition, nul. Voilà. Et j'ai chanté par défaut dans Wild Hunt parce qu'on était
4, on est tous passés derrière le micro, j'étais celui qui chantait le moins pire, et me voilà chanteur dans nos différents groupes. Voilà. Mon petit Gauthier. Et moi du coup j'ai commencé un petit peu comme Mélo la musique, sauf que je me souviens absolument pas de la période d'éveil musical, donc je sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas j'ai commencé réellement à partir de 6 ans la pratique instrumentale et le solfège. De ce que j'en ai retenu c'est pas forcément très fameux, mais en tout cas j'ai commencé par le piano. Et après à peu près 5 ans de, à 6 ans de piano, j'ai arrêté et c'est en 2011, donc vers à peu près mes 15 ans, quelque chose comme ça, que j'ai découvert mon premier album de rock et avec des amis on voulait monter un groupe juste voilà pour s'éclater et finalement je me suis orienté vers la basse parce que il n'y avait que des guitaristes dans mes amis, pas de chance, et bah faut croire que ça a matché parce qu'encore aujourd'hui bah, je suis à la basse. Le tremplin Madson, en fait c'est Madson d'ailleurs. Ouais déjà c'est son, je sais pas, c'est français. Hein. Madson. Ouais, Madson. Allez, Madson. Bah, il y a du beau monde en fait qui gravite autour de ce tremplin et nous, on est des bébés. Ça fait pas longtemps qu'on existe. On n'a pas eu l'opportunité de jouer beaucoup avec cette année. Et donc en fait, on cherche à un peu se faire connaître de tous les acteurs en fait hein, qui gravitent autour du projet. Donc ouais, ce qu'on attend, c'est de pouvoir rencontrer des belles personnes, pouvoir jouer, pouvoir s'exprimer et développer notre projet. Ouais. Et développer le projet encore plus qu'on le développe déjà pas mal en fait. Ouais, et puis mais plus loin encore. En plus, ça nous permet de découvrir un nouveau public, ça nous permet de sortir de chez nous aussi, parce qu'on est d'Orléans. Bien de jouer devant un autre. Non, mais c'est une opportunité, ouais, d'avoir des oreilles neuves. C'est très moche ce que je viens de dire. Voilà. Non, mais on aura compris qu'il faut qu'on sorte de chez nous. On n'a pas eu l'opportunité de jouer beaucoup, en fait, pour l'instant. Entre la formation du groupe, entre la phase de composition, enregistrement du premier EP, premier concert, on a joué quoi 4 fois ? On a fait 4 concerts. On a fait 4 concerts et Covid. 4 concerts et Covid. 4 voilà. Super concerts, mais... Par contre, 4 gros super concerts, ouais. mais Covid derrière, et en fait, on a la dalle. Moi, je suis pas trop dans l'optique de se dire qu'on a des choses en plus ou en moins que les autres groupes. J'aime pas le côté compétition dans la musique, mais ce que je sais, c'est que par contre, ce qu'on fait, on le fait vraiment avec plaisir et passion, et qu'on fait pas ça dans l'optique de faire quelque chose qui va plaire pour les autres, pour faire le single qui va marcher, pour rentrer forcément dans les cases, mais on va déjà le faire pour que nous 5, on s'y trouve. Et je pense que c'est ça notre force, c'est qu'on est 5 personnes avec 5 cultures musicales pas forcément identiques, on a des vies totalement différentes et on arrive quand même à faire quelque chose qui nous plaît, je pense, aussi bien tout le monde dans le groupe. Et je pense que c'est ça qui peut nous faire remporter le tremplin, parce que quand on joue, la musique qu'on joue, on est tous 100% investis dans ce qu'on fait. C'est une sorte de cours des miracles de la musique, un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, et puis aussi, on a une petite touch un peu atypique, c'est qu'on a 2 voix et qu'on s'en sert vachement, puisque c'est oui, moins commun. Donc, on base beaucoup notre musique sur le duo vocal mixte. Donc, c'est un petit truc en plus. Ça, pour le coup, peut-être que voilà. Puis on a Mélo dans le groupe, la parité homme-femme et tout, faites-nous gagner, absolument. Vous allez avoir des emmerdes. Alors, si on parle des textes, on est très très intemporel, donc pas forcément influencé par l'actualité de la société. On est plus dans les grandes questions philosophiques des fois même. Introspective. Dans l'introspection, le voyage, le questionnement. Mais ça, bon, j'ai l'impression en le disant à voix haute que c'est finalement ce que disent la plupart des artistes qui font de l'écriture. Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir entendu il y a pas longtemps. Ouais, non, mais aussi. En fait, mais c'est vrai. On écrit des choses qui nous traversent l'esprit, tout en gardant une ligne directrice quand même. Là, l'album qu'on va sortir, c'est quelque chose d'assez compact, de 9 morceaux qui racontent tous la même histoire, mais ça raconte ses chapitres en fait. Hein. Donc non, on raconte une histoire. En fait, Orpheum Black, ça vient quand même à la base un petit peu Orpheum des théâtres. Et on est très, voilà, on joue des pièces de théâtre presque en fait, et on joue avec ces codes-là, on essaie de mixer ouais, justement ces codes. Je dirais qu'on est influencé par une direction un petit peu
artistique mais globale qu'on s'est donné. C'est-à-dire que le point de départ avec le nom du groupe, parce que les Orpheum c'était aussi du coup le fait de mélanger différents types d'art. Donc il y a la scène, le théâtre, à l'époque ça n'existait pas, mais aujourd'hui le cinéma. Et donc en fait on garde cette ligne directrice. On mélange tout ça quoi. De raconter une histoire, d'avoir une vision un petit peu de plus en plus dans nos morceaux, quelque chose d'un peu cinématographique, aussi bien dans ce qu'on entend que dans ce qu'on cherche à montrer, comme si presque de la BO d'une histoire. J'ai oublié la question, j'ai l'impression qu'on a dévié. On a digressé un peu, mais. Mais c'est bien, qu'est-ce qui influence Woody au sein de ce groupe ? Voilà, c'est toutes les formes d'art. Oui, qui nous influence au final. Ouais. Puis après, on a l'écoute aussi au niveau musicalement, donc ça nous remet aussi aux questions et on propose du contenu nouveau. Quoi. Et on tourne des clips qui ont à chaque fois des tronches différentes. Hein, parfois, ça fait très film, parfois, ça fait très. J'allais dire grandiloquent, c'est un peu fantastique. Côté épopée aussi. Voilà. C'est en ça que le cinéma, les jeux vidéo. On est très dans une cinématique, dans cette histoire de BO, moi j'en écoute beaucoup, ce truc de d'accompagner une histoire avec un personnage principal qui passe par plein d'aventures. On fait des BO. Voilà. On raconte pas des histoires de chevaliers non plus, hein. On n'est pas dans les années 80. Tu disais parce que t'as pas lu les textes. Attends, t'es pas. Non, je sais. J'ai lu les textes, je les ai même écoutés plusieurs fois. Des clips. Hein. Nous, on crée beaucoup de contenu. Hein, c'est continuer de bosser. Voilà. Dans un premier temps, on s'est beaucoup appelé en visio, envoyé des maquettes. On faisait des réunions hebdomadaires et puis on travaillait dans notre coin pour pouvoir continuer à écrire l'album. Et après, comme on pensait que c'était le seul confinement, et puis en fait non. Après, on est passé tout de suite. Par contre, comme on ne pouvait pas monter sur scène, on s'est dit faut qu'on soit présent. Enfin, faut qu'on montre qu'on. On avait aussi cette volonté de montrer qu'on faisait des choses et que c'est pas parce qu'on pouvait pas monter sur scène qu'on pouvait rien faire et qu'on était complètement bloqué. Alors, il y en a qui ont pris le parti de faire des lives sur les réseaux. Nous, on a saisi cette opportunité pour développer l'aspect cinéma, en fait, qui fait partie de ce qu'on raconte dans l'album en tournant plusieurs clips. Ça nous a permis de développer le propos vachement en fait. On va pas dire que c'est une chance le Covid parce qu'on a retardé quand même l'album d'un an, mais ça nous a donné vachement de temps pour se creuser les méninges et aller plus loin en fait dans le propos. Et qu'aujourd'hui on va sortir un album avec tout un univers derrière et ceux qui ont envie de s'intéresser aux choses pour On a de la chance quand même, on a une salle de répète. Et aussi, voilà, contrairement à plein d'autres groupes qui n'ont pas pu bosser, nous on a notre studio, on peut répéter, et en fait on a continué de travailler et à composer des nouveaux matériaux, donc c'est cool. J'ai essayé de placer sous le vent la semaine dernière en vrai. Ouais, tu peux le dire si tu veux, mais je cautionne pas qu'on ait essayé de le faire nous cinq. C'est exactement. T'as essayé de pourrir la chanson, c'est différent. Ok. Next. Ah ouais, y a pas trop de trucs inavouables. Non, puis on fait pas de reprises. Non. La seule reprise qu'on ait pu faire, c'était Anathema pour le coup qu'on avait réessayé, mais non. En tout cas, pas en répète, en soirée, ça part. On est un peu d'accord pour dire que sur le cahier des charges, quand on a formé le groupe, Anathema faisait partie de nos références dans la mesure où il y avait la voix, vachement, et puis il y a un duo mixte aussi dans ce groupe-là. Et ça fait partie un peu de l'histoire du groupe aussi, donc je pense Anathema. C'est pas le seul, hein, mais c'est vrai que... Ça faisait partie des influences principales, en tout cas. En termes de duo vocal, c'est le seul qu'on a vraiment en référence et qui nous plaît. Après, on a des artistes qu'on aime bien aussi en termes de son. On n'est pas du tout sur du Anathema, par contre. Non, sur des dans Steven Wilsonienne, je crois, non. C'est ça. Porcupine Tree. Je rajouterais, je pense que même si on n'écoute pas tout ce groupe, mais que moi, je trouve que Porcupine Tree, c'est un groupe qui
qui représente un peu ce qu'on peut être, parce que c'était un groupe qui mélangeait plein de styles et qu'on fait tout le temps des albums en disant qu'ils pouvaient jouer un truc de funk et un truc de metal, et nous en, déjà en deux CD on a déjà touché finalement à pas mal de trucs différents, parce que sur l'album si t'écoutes The Black et après Alive, on peut quand même dire que c'est un peu l'antipode l'un de l'autre, et pourtant ça reste cohérent tout au long de l'écoute. Bientôt un morceau funk. Après on s'affine. Non, mais voilà. J'allais dire, après par contre on s'affine quand même, plus on joue, plus on avance dans la composition, plus on crée une patte, on arrive à voir ce qui nous ressemble. Mais c'est vrai que... Moi je dirais qu'on a toujours une patte dans tout ce qu'on fait. Ça n'engage que moi, mais je pense que... Cool. Allez, tour de table. Gauthier. J'ai plus la première partie pour l'instant, je réfléchis encore. Balance, que tu peux balancer. Bon, moi plutôt pour je pense que pour l'artiste qui m'a donné vraiment la plus grande claque en concert, je pense que c'est Marcus Miller. J'ai pas forcément fait des tonnes de concerts, mais c'est surtout celui-là qui est mémorable, peut-être parce que je suis bassiste, mais aussi que c'était quand même assez impressionnant. Et après, la première partie que je rêverais de faire, je sais pas, même si c'est pas du tout associé, ce serait un grand plaisir, je sais pas, d'être aux alentours de Snarky Puppy et ce genre de groupe. On fait dans l'ordre. Ouais, vas-y. C'était quoi alors, la claque et qui c'est que t'as envie de faire enfin, ouais, c'est ça. La claquasse que j'ai, dernière que j'ai prise, Devin Townsend à Paris quand il est passé là, en 2018-19, je ne sais plus. C'était absolument magnifique, le mec est... et calibré, t'as l'impression que c'est très simple alors que c'est ultra ultra technique et en même temps c'est magnifique, c'est très voilà. Mais voilà, j'ai aussi une petite voilà, encore une fois anathéma parce que c'est mon dernier concert avant le confinement, genre deux jours après on était confiné, et parce que c'est la seule fois que je les ai vus et peut-être la dernière je crois. Donc voilà, et en première partie je suis un fan inconditionnel et incorrigible de Deftones. Bon choix. Moi, c'est pas forcément le truc le plus spectaculaire, mais c'était un moment fou. C'était Hellfest et c'était Rise Against. Je précise bien Rise Against. Et c'était à la Warzone, ça n'avait rien à faire là, soit dit en passant, je pense. Mais c'était dingue. C'était un moment aussi bien pour le public que pour le groupe. C'était chouette. Et en première partie, j'aimerais beaucoup. Hailstorm pour le côté girl power. Pourquoi pas Non mais... Moi ma plus grande claque c'était quand je suis allé au Hellfest et j'avais vu pour la première fois Slipknot. Et je suis sorti vivant d'ailleurs. Parce qu'ils font sortir vivant de ce combo là. C'est vrai que Slipknot c'était du... C'est la première fois que j'ai voyé en live et ouais ça m'a... Pas vu au Hellfest, mes deux frères, c'est du lourd. Franchement c'était... Je m'en souviens encore, c'était génial. Et niveau première partie, plus comme Greg, Moi, c'est j'aime bien. Ça, j'aime bien ça. Oui, c'est bien. Ouais. Bah, moi, pour rester cohérent avec la première, la deuxième question, c'était ACDC Paris-Bercy en 2008. La première fois que je jouais le groupe qui m'a donné envie de faire de la guitare, donc c'était forcément la claque. Et le groupe dont j'aimerais faire la première partie, ce serait Steven Wilson. Parce que moi, c'est un artiste que j'admire vraiment beaucoup. Aussi bien d'un point de vue musical que production, donc ça sera vraiment super de pouvoir jouer avant. Je sais pas, un truc où il fait chaud, la Grèce. Non mais on t'a pas demandé où est-ce que tu veux partir. Y'avait pas le voyage, putain merde. Juste un album. On part en voyage, y'avait pas une sorte de voyage. Mais si tu pars et que t'as qu'un CD, tu prends quoi? Ah bah je me casse. On voyage en Grèce, voilà. Il veut le placer. Et un CD, un vinyle, ça prend vachement de place dans la valise. Koinoyokan Deftones. Voilà. Que je pousse. Vas-y, Gauthier. Bon, le choix, il serait trop dur. Je pense que je serais jamais parti en vacances tellement je serais bloqué devant la discothèque. Alors, en discothèque, vraiment. La boîte de disques, quoi. Non, mais me regardez pas, ma réponse. Si ça vous réponse. Allez, vas-y, sors ta réponse, on sait ce que c'est. Il y a eu un consensus sur toi, Mélo, vas-y. Allez, du rêve. Oui, bah d'accord, je prendrai le disque, l'album 2 de Céline Dion. Voilà. Et si c'était une seule chanson, ce serait J'irai où tu iras. Voilà. Au moins tu assumes. Bah écoute, moi si j'assume, je pense que je prendrai pas de CD ni de chanson. Rien. Ah ouais ? Rien. Même pas un livre ? Rien. D'accord. Ouais, c'est...
Pourquoi pas, c'est aussi une réponse, voilà. Comme ça il sera pas blasé par la moi ça serait compliqué, mais je pense que je partirais avec And Cannot Erase de Steven Wilson, parce que c'est l'album qui m'a le plus changé ma vision de la musique, je pense. Et si je devais emmener qu'une seule chanson, ça serait Thunderstruck, parce que c'est le premier truc que j'ai appris à la guitare et c'est le single que je préfère depuis toujours. Après on va pas se mentir, aujourd'hui on a tous Spotify donc... Oui. Je pense que la première chose qu'on fait, c'est d'abord nous on pense à l'album. On pense à la dimension sonore. Oui. Et comme on réfléchit à l'histoire, on vise d'abord à créer une expérience sonore à travers le disque. Complètement. Ah, puis parce qu'on a notre studio, machin et tout, et on se le dit souvent quand on compose, on se dit tiens, là je pense que quand on enregistrera ce truc là, il faudra faire ça, ça, ça. Ouais. Après, en live, on réadapte certains trucs quand même. Garder une énergie. Ouais. Qui est la gouache. Mais c'est des choses différentes en fait. En fait, en live, je pense qu'on a plus l'énergie du rock, mais qu'en studio, on a plus le côté progressif de la musique. C'est ça. Ouais, tout à fait. C'est beau. On est d'accord. On n'en a pas fait non plus 50 000. Si c'est du groupe, ouais. Ouais. Ingré, première partie, on fait partie de Kokomo. Ouais, sortie de l'EP, c'était cool. C'était super, c'était blindé. On jouait dans notre terre-terre, on dit. Ah, mais on a fait peu de concerts, mais que des trucs cool. Ah, ouais, c'était super. C'était tout le temps, quoi. Donc, celui-là, c'est la release partie de l'EP. C'était vraiment bien. Et la veille, on avait joué, on était un peu fatigué, mais bien dans le mood aussi, quoi. Non, j'étais malade à crever, mais en fait. C'était malade. Ouais. Mais c'était le Covid. Oui. Mais en vrai, on n'a pas eu encore de. Enfin, si, on en a eu, mais on les dira pas, mais de pires concerts. Voilà, pour le moment, on peut pas répondre à cette question. Mais je pense que même sur des trucs catastrophiques, enfin, moi perso, ça me fait rire au pire. En fait, on oublie qu'il y a un concert, on se remet entre nous, puis c'est comme si on faisait une répète grandeur nature. Quoi. Voilà. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fini. Mais... Bien joué. Merci. Combien de temps? Let me find you.